Oh putain. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas aller l'aider, hein. C'est loin. Allons à la mission. On repayera on payera la casse, c'est pas grave. Ok, donc là c'est le moment un peu nul où sur le chemin il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a rien sur la route, il y a pas de musique, il y a pas d'ambiance. C'est un peu gênant. En tout cas pour moi, là je suis un peu gêné là. Là je suis gêné de fou. Là je sais pas quoi faire. Non mais c'est vraiment gênant hein, sans ambiance. Hein. Ah non mais je me plaisante pas. Hein. Ah c'est là des points négatifs du jeu là par contre. Là la musique elle est pas là. Alors la mission était dans le coin je crois, non? Elle est là. Ah mais c'était sur ce cargo là qu'on avait libéré les filles. Ah mais on v'là la chef. Bah parfait. Salut. Ok. Oh, les musiques sont cool par contre des fois. Le mec c'est un cow-boy quoi. Trouver des camions pour transporter la cam. Ah. Faut aller chercher les camions parce que moi j'en ai hein, des camions. Ah mais c'est là-bas. Ça va, c'est pas trop loin. C'est qui? Ouh pardon. Excusez-moi je rentre. Attendez je la refais. Oh merde. Prenez ma voiture, j'en veux plus. Bah elle explose là ou pas? On peut passer? Merci. Oh putain. Ah puis quoi, il y a une explosion, le jeu n'en peut plus. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ok, on est mal. Oh de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Ah. Oh merde. Oh merde, merde, merde. C'est qui lui? Ah bah, on saura jamais. Vite, vite, répétez ça. Ok, c'est dur de viser. T'es où? Ouh de la vie. Quoi? Mais j'aurais pu te ramener. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il vient? Mais quel con! Oh, on a de la chance qu'il ait survécu. Hein. Je sais pas si c'était scripté ou pas, mais... Attends-moi par contre. Allez au camion suivant, feriez-vous un passage vers le bâtiment suivant? Oui, mais il était pas obligé de m'écraser quoi. D'accord, pourquoi je suis monté à cette voiture? Coucou. Ah. Ah ça fait mal. Pinga. Ouh là là, attends, 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 je m'approche pas de ça moi. Ok, fumée, lag, tout est bon. Oh oh. Oh ma vie. Ah là là. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Oh merde.
pas manger des gâteaux comme dans GTA. Ne meurs pas, ne meurs pas, Tony, ne meurs pas, ne meurs pas. Rage. Ok, ne rage pas trop. Hop, voilà, parfait. Parfait. On reste pas à côté de ça. Oh, le monde. Oh, sa mère. On va utiliser notre rage. Là, je pense que c'est mieux d'utiliser la rage. Oh, tu peux venir ou pas? Rage! Hop. Mouais tous! Okay, j'entends un lance-grenade. Il y a personne, je suis bien placé là, dis donc. Ok, super, bah c'était vraiment bien. À la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Ok, on a presque plus de balles. Il est là-haut, lui. Tu prends pour un con, quoi. Ok, super, j'ai tiré partout sauf sur lui. Il fait quoi? Le mec, il danse du zouk. Ah ouais, d'accord, il s'en fout complètement, en fait. Pardon. Merde, par où on va là? Ah, puis j'ai 9 balles. Super. Ah, puis je suis bloqué par une plaquette. Oh, il a fait peur! Je peux conduire cette fois ou. Oh putain. Attendez! Alors le problème de la M4 c'est que bah, les ennemis eux ont l'AK en fait. Du coup je peux pas ramasser les munitions. Ne m'écrase pas. Cette fois je peux récupérer ta voiture ou comment ça se passe? Il faut faire quoi? Sécuriser le troisième camion et tuer le lieutenant Nacho. Ok, on fait ça. Mais on avait... Ah oui, le lieutenant, ok d'accord. Parce que Nacho, on s'est déjà occupé de lui. Hein. Point de contrôle. Alors généralement quand il y a un point de contrôle c'est que c'est mauvais signe un peu. On a récupéré des munitions, je sais pas comment. Aïe. Ok, ok, il y a la villa, parfait. Ok, donc il y a l'autre qui nous... Certainement le lieutenant du Nacho qui nous parlait mais on bat les couilles. Hein. Ah c'est lui, c'est ça doit être ça. J'arrive, hein. Pas la peine de parler à la radio, j'arrive. Vous avez perdu un camion. Content de la prendre. Oh merde. Je stresse beaucoup. Oh non. Oh non. C'est un chinois. Mais ne me remettez pas comme ça là! Et je vais mourir avec vos conneries! Oh merde, je crois avoir vu de la vie là, mais ok, j'ai dû rêver parce que je ne vois plus de vie. S'ils pouvaient venir à moi, ça m'aiderait beaucoup. Pas se mentir. Ah merde, mais il y en a tout le temps en fait. Merde. Ah, le civil il me gêne! En fait, si le civil pouvait se casser, ça arrangerait tout le monde. Parce que Tony ne peut pas tirer sur les civils. Dans ce jeu, on ne tue pas les civils. C'est pas GTA. On ne tue pas les mamies. Du coup, ben on est baisé. Parce qu'il y a des civils et quand je vise un civil, Tony arrête de tirer en fait tout seul. Alors que je lui ai rien demandé. Du coup, j'ai fait le tour. Oh, ils arrivent. Vous avez de la vie dans votre entrepôt de merde ou pas?
Oh oui, oh oui, 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 oui. Tu es où? Tu es là-haut, d'accord, on est d'accord. Pourquoi il n'y a pas la flèche? Pardon? Oh putain, mais c'est Speedy Gonzalez, le mec! C'est quoi ce boss nul? Meurs? Oh, ce buzz nul! Attendez, vous venez de l'extérieur, vous? Si je fais le tour... Attendez, j'arrive. Oh putain, j'espère pour vous que je peux pas faire le tour. Hein. Pas de chance. Ah. Attends, il y avait quelqu'un là. Ah, mais c'est en haut du coup. Oh, de... Oh non. On recommence de haut du checkpoint? Ou d'avant? D'après? Ah. Attends, on va rappeler une voiture parce que là on a plus de balles. Il me faut le lance-grenade en fait. Je pense que faire le tour c'était pas la bonne idée. Hein. Non, ne viens pas avec moi, tu vas mourir de toute façon, ça ne sert à rien. Oh putain, c'est que de scène à la con quoi. Pardon, j'arrive. Oh oh. Aïe 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 aïe. Ok, y'a du monde, ok, y'a du monde, ok, y'a du monde, je fuis, je fuis, je fuis. La violence. La violence de ces mecs. Putain. Non mais je prends des coups dans les cutscenes. Je pense qu'il va falloir la jouer un peu plus... Aïe! Un peu plus sécure, mais... Oh, dans la tête. Oh oh. J'ai l'autre là-bas, là, j'aimerais le tuer parce qu'il va arriver dans mon dos. Je vais rien comprendre. Est-ce que je peux passer là ou c'est juste une... Un effet d'optique. Coucou. Ok. Ok, super. Ah bah ça c'était bien joué. Ah mais non, mais arrête de recharger au mauvais moment. C'est caché ou c'est moi qui rêve? Non, il est mort, ok. Oh. Ok, super, super. Oh là 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 là, mais c'est horrible. On refait le tour parce que la dernière fois ça a bien marché, mais... Ah. Oui. Mais tranquille.
Mais pas maintenant! Oh non! Oh non! Ah mais il y avait bien de la vie ici, j'ai pas rêvé tout à l'heure. Donc je ne suis pas fou. Donc ça on le note dans le carnet. Ok. Là c'est plus la même. Là je sens que je vais crever parce que... Ah putain, je sens que ça va être ça, je vais crever parce que la grenade elle va pas faire ce que je veux. Ok super. Ok, on ne peut pas tricher, j'ai l'impression. Va falloir juste être patient. Ma passion, finalement, la patience. Oh, il a pris chier là. Ok, il prend cher. No, don't shoot. 10 balles. Oh, shit. Oh, shit. Oui. Damn, man. Hey, who are you? You work for Nacho? I did. Name's Logan. Now it looks like I'm independent again, thanks to you. Okay, do you want a job? You work for me now, man. Bah au moins c'est rapide. La personne a pu dire non. C'est ça qui est beau. C'était super comme mission. C'était vraiment... On est content de l'avoir fait. Hein. You've got to be kidding me. Alors... Chargez vos camions avec la coupe de Nacho. C'est avec toi que je dois parler? Ou pas? Oui. Eh bien allons-y, parlons affaire alors. Fais-moi avancer dans le jeu, vas-y. The trucks are ready and loaded with the coke from the tanker. You just need to make the delivery safe and sound. I gotta warn you, word's already hit the streets that Nacho is out of the picture. Gomez and the Diaz brothers will be looking to expand. Let those pieces of shit come to me, okay? I'm ready now. Calme-toi, Tony. Quand ils vont arriver à 15, on va moins faire les malins. Au Marinas machin, c'est où ça? Dominique vous suivra. Enchanté. Maribel! Mais elle va jamais réussir à nous suivre. Elle va avoir un accident en route, forcément. Ne me klaxonne pas! Il est où celui-là? Quelque chose me dit que j'aurais dû tourner. Ok. Bien joué, Dominique. Il va se prendre le camion. J'en étais sûr. J'en étais sûr et certain qu'il allait. Il y a quelqu'un qui a disparu. Oh non, il va avoir du mal à me suivre, je le sens, ça va être chiant. Ah oui, bah ça commence bien. Ça va en bas? Heureusement, après c'est une grande route, bien droite. Normalement, il va pas se prendre de mur. Par contre, on va essayer de se mettre du bon côté, histoire qu'il soit pas con. Les hommes de Gaspard vous ont repéré. Mince. C'est chiant ça. Il m'a boosté le gars. Voilà, meurt. Oh. Oh là là, il se passe des choses. Ah mais c'est des ennemis eux. Oh. Waouh. Mais c'est génial. J'adore cette mission. Aïe. Oh là 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 là.
J'espère que Dominique s'en sort bien. Entrepôt plein de coke. Mais je suis bien content, mais Dominique, il va bien? Retourne à la casse, pour... Merde, j'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Mais du coup, attends, je vais d'avoir 15 kilos de coke gratuit, là? Mais pourquoi avoir farmé? J'ai farmé pour rien. Ah oui, j'ai 15 kilos de coke gratuit. Putain, le 15, alors 15 kilos de coke, quand je vais faire la distribution, en gros, je vais gagner... Ah, je ferme ma gueule. I'm pretty sure Gaspar is after us. Fucking Gaspar Gomez, the piece of shit. Mais merde, attends, il va. C'est où qu'on va là? Ok. Parce qu'en gros, une distribution de 15 kilos, j'ai entre. Sans compter South Beach, parce que bah avant je le faisais pas vu qu'on l'avait pas. J'ai 6 millions à peu près. 5-6 millions. Ce qui est beaucoup, vraiment. Maintenant qu'il y a South Beach, ça sera un peu plus, mais du coup, c'est vraiment bien pour farmer en fait. Ah, pardon. Que je pense que la voiture ne va pas survivre jusqu'au bout. Putain, on est hyper loin là. On n'a pas la voiture la plus rapide du monde. Ils vont pas nous suivre là. Enfin, ils vont pas réussir à nous suivre correctement. Attention, suspense. Oh, il a volé comme personne. Ok, je descends de là, moi. Oula. Je crois qu'il l'a mal pris, du coup. Le fait que j'ai tiré de lui. Il dit, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, leur voiture a pété, quoi. Parfait. Ok, parfait. Vite! Oh non, les flics qui arrivent, quoi. On leur a rien demandé. Ah! J'arrive! Ah, mais tu es mon ami, toi. Bah, c'est où les ils sont où les problèmes? Je comprends pas. Attendez que Maribel monte. Bah, dépêche-toi, dépêche-toi! Tu fais quoi? Tu fais quoi? On va pas les taper à la main nue! Maribel, please, fin d'effort. Parce qu'en fait, la police n'est pas prévue dans le scénar. Hein. On passe de monte. Oh, on a plus de vie. Le camion, il va péter. On va pas se mentir. Hein. Dans le scénario, la police n'est pas là. Hein. Là, c'est juste parce qu'on est recherché. Par contre, j'espère qu'on peut réparer le camion. Parce que si on peut pas le réparer, on peut pas se mentir, il va pas faire long feu. Allez, dis-moi qu'on peut réparer, dis-moi qu'on peut réparer. Oui! Tire, Maribel, tire! Putain, heureusement qu'on doit pas faire ça à chaque fois qu'on a des kilos à ramener aux entrepôts, parce que ça serait hyper chiant. Et ça serait deux fois plus long. Allez hop, toi, tu dégages. Oh, il avance vite lui. Eh lui, s'il est pas scripté. Ah ouais d'accord, c'est des ennemis. C'était bien scripté. Ah, je déteste conduire les camions, j'ai la caméra beaucoup trop proche du camion. Entrepôt plein. Mais ça c'est génial. Mais c'est parfait. Thank you for helping me to freedom. Perhaps we will meet again. Okay, Tiger. I got a nice place to stay if you ever need, you know? Claro. Oh, I could use a fucking drink. Bah, c'était bien.
Du coup, là, on n'a plus de mission. Genre, il faut prendre la possession de North Beach. Parce que si c'est ça, moi, ça me va. Il est quelle heure? Il est 23h30. Ah. Je vais pas mourir. Du coup, il faut faire quoi? Augmenter votre niveau de réputation. Eh ben, allons-y. Faisons ça. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il nous reste à acheter? Bah, il nous reste des bateaux à acheter. Ah, il y a un bateau à 1 million. C'est chaud. J'ai acheté ça. Merde, je suis dans les musiques. Évidemment, c'est malin. On va acheter des gros trucs, genre... Genre ça, des objets. Castro could see me now, man. J'aurais jamais dû faire ça! J'aurais jamais dû faire ça! Attends, je vais charger la partie. Attends, putain de merde, attends. Il faut combien de réputation? Attends. Parce que si, je pense que ça change rien, quoi. Parce que si on a 15 kilos partout, je pense que du coup, c'est fait exprès, en fait, pour qu'on ait de l'argent. Donc je pense qu'on peut acheter des trucs exotiques, en fait. On va faire ça. On va faire ça. Sometimes I wonder if the people who sell this shit aren't taking me for a ride. I love this country, man. Oh, ça me fait mal au cœur à chaque fois que j'achète. How great this country is, man. Vite, allons à la maison. Pleurer. Oh bah non! Un entrepôt est attaqué. Enfin, un business. C'est triste ça. C'est pas les couilles. On repérera, on a de l'argent. Conduite dans le mauvais sens. Bah ouais. Et la musique? Comment on... Je crois que c'est select pour allumer la radio. Attends. Ou parce que c'est pas logique, mais... Ah! Pas la meilleure musique du monde, mais attends. Ouais, toujours pas. Hein. Non, au niveau musique, c'est pas ça. Hein. On va pas se mentir. Salut. Ah, du coup, attendez, je vais vous montrer. Merde, je peux pas vous montrer. Il faut attendre. Je vais vous montrer le troisième intérieur en fait de la maison. Du coup. Ah par contre la musique là, dans la voiture, mais calme-toi à l'extérieur. Hein. Pourquoi tu marches comme ça, Tony? Des gens apparaissent. Je vois des gens. Je vois des gens apparaître. Du coup, je vous ai montré le moderne. On va voir l'électrique maintenant. D'accord. Regardez, c'est beau. C'est aussi très beau. C'est deux styles différents. Mais c'est toujours aussi beau. Bon, il n'y a plus le requin. Il y a une petite fontaine maintenant, mais... Niveau de réputation. On en est où, là, dans la réputation, là? Oh, le C. On a débloqué le lance-missile. Je me rappelais même pas qu'il y avait un lance-missile. North Beach est le territoire final. Une fois que vous possédez Miami, vous pourrez sécuriser vos courses d'approvisionnement. Everyone you have ever cared for is dead, Tony. The Reaper is grateful. I intend to add you to his list, you fucking persistent little monkey. Don't you fuck with me. Alors toujours la bonne ambiance, évidemment. Du coup, vu qu'on a, on est quand même, ça y est, on est OP à Miami, on va pouvoir changer de vêtements quand même. Et on va pouvoir revenir en mode, salut, c'est moi, c'est Tony, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, on met le costume noir, ça suffit les conneries. On est de retour. Parler au responsable du Angel Dust Donut. Eh bah faisons ça.
Mais du coup, t'as plus beaucoup d'argent. Ça, par contre, c'est pas bien. C'est pas bien, du coup, c'est chiant. Est-ce qu'on ferait pas des distributions avant d'aller à North Beach? Je sais pas. On va à North Beach, on fait des missions pour North Beach et on voit comment ça se passe. Merde, c'est devant, faut que j'arrive à m'en rappeler à chaque fois. Par contre, ouais, du coup, on est obligé d'aller ici. Et ben c'est parti. Allons conquérir North Beach. Il est quelle heure? Il est 23h40 presque. Je pense qu'il reste une heure et demie de jeu avant la fin du jeu. Bah quoi que, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on va finir le jeu ce soir? Je ne sais pas du tout. Du coup, prenons cette voiture. Adios, amigo. Et allons à North Beach. Je crois qu'à North Beach, les façades vont être hyper chères. Je pense. Hein. Je pense qu'ils coûteront genre tous 1 million, quoi. Au moins, ce sera le minimum, tu vois. Il n'y aura pas de façade à 200 000 comme on a vu là, à South Beach. Même si c'est possible, hein, vu que je me souviens plus des prix, mais ça me paraît bizarre, tu vois. C'est la fin du jeu. C'est la dernière ville, tu vois. Alors, du coup, il y a les gangs. Mais vu qu'on s'en fout des gangs, enfin, on n'est pas obligé de tuer tous les gangs, je crois, pour finir le jeu. On s'en bat les couilles, du coup. Ah, c'est beau, hein. Ah, ça, on va pas se mentir, c'est beau. Vous trouvez le gang de Caspar. Eh ben, très bien. Mais on va esquiver. Hein. On l'a pas vu. On n'a pas vu le gang. Allez, laissez passer le grand méchant. Si tu veux. Hey, this dump looks like it could use some cash. Do you want to be rich? Sell me your business and come work for me. Shh. Calmate. Could you keep your voice down, please? I would love to make some serious money, but I cannot with all these fucking cops hanging around all the time demanding free donuts and coffee. Get them to leave. Maybe then we can come to some kind of arrangement, agreement, something. Está bien? Bien. God, I love this job. Who took the last one? Regardez, ils sont tous de la même famille. Code 30. Semez les flics. Détournez l'attention des flics et le niveau du magasin de beignets. Bah ok, par contre tu vas enlever les sirènes parce que déjà on les entend pas. Et parce que c'est hyper chiant. Ah mais putain, il y a un trajet et tout quoi. Qui a eu l'idée de mettre des points de passage? Oh non, fallait monter quoi. Putain, j'en étais sûr. Merde! Fausse route. Mais ta gueule, attends, j'y retourne. Oh là là là, c'est horrible! Oui. Bah, bien joué. Bon, alors en vrai, j'essaie un peu semer quand même. On va pas se mentir, là le jeu est bien scripté parce qu'en vrai on les sème hein, les mecs. Hein. Là en vrai ils étaient semés. Attention monsieur! Oh là là! Oh niqué! Niqué! Ces petits scripts qui font toujours plaisir. Oula. Ah, il m'a un peu forcé à aller par là. Oh non, on va faire des sauts et tout. Putain, je sais où on va. Oh, c'est fluide ici. C'est agréable de jouer sur un jeu fluide en fait.
C'est donc ça. Oh oh. Alors ne fais pas le con mec, on va tous les deux tomber à l'eau. Ça va faire rire personne. Ne ralentissez pas. Bon, il me laisse pas trop le choix. C'est chaud. Cette tête de tueur quoi. Ça me fait un peu penser à la blague des deux bières dans qui tombent à l'eau. Ça me pose pas de problème si vous voulez. Si vous voulez que je la raconte, y a pas de souci. Hein. On fait ça. Hein. Ah bah ça marche maintenant. Ah du coup on t'a tapé tout le trajet. Mais j'en baille. Ah ça c'est horrible, les longues routes comme ça. C'est affreux. Putain, le soleil est même pas rond. Vous le voyez comme moi? Ouais. Le soleil n'est pas rond. Ah bah là on le voit parfait. Bah là on le voyait parfaitement bien. Parce que ça du coup c'est le soleil. La lumière vient de là. Et il est pas rond du tout. Bravo les mecs. Je voulais pas sauter. Je voulais descendre comme tout le monde. Oula. Alors faut gaffe monsieur, mais votre business a un petit problème. Cops are gone, man. Now maybe we can get down to business. All right. Look. Pay off the mortgage on this place and it's yours. I can't wait to start making some real money. Alors calme-toi. Direct, déjà parce que ton truc est bugué. Ah parfait. Voilà, c'est parfait. Là, l'image résume le truc. C'est génial. Tout à l'heure, on a gagné de l'argent en faisant une mission comme ça pour un établissement. Et ça, je trouve ça fou. Parce que, généralement, ils nous payent pas, les mecs. Tu vois, tu leur rends service, ils vont pas en plus te payer. Et tout à l'heure, on a gagné 100 000, un truc comme ça. Combien tu coûtes? Oh, 200 000, quoi. C'est une blague. Tu ne coûtes rien, mon gars. Tes données. Oh, par contre, cet écran, il est vraiment affreux. Il est vraiment horrible. Ah, du coup, par contre, on a... Ah, si. Hop, on va récupérer cette voiture. Donc là, par exemple, on voit que le gang n'est plus là. Et je crois que je vous avais déjà expliqué ça. Le système des têtes de mort grisées ou pleines. Donc je vais pas le refaire. Du coup, ici, je me rappelle plus c'est quoi ici. C'est pas un bar ou un truc comme ça? Qu'est-ce que c'est ici, au fait? Ah, attends, pas du tout. Et déjà, on est rentré dans par la mauvaise porte. Ah bah, il s'en bat les couilles. Ok, d'accord. Salut! J'ai des oreilles, j'entends des choses. Bah bravo, moi j'ai des yeux, je vois des choses. Tu veux qu'on fusionne, qu'on fasse quelque chose? On fait un duo, si tu veux. This looks like it makes money. I bet I can help you make a fuckload more. How'd you like that? You wanna do business with me, man? I've been hearing about you. I could use the extra cash. Dachshunds need braces, wife needs Valium, and my girlfriend needs new teeth. I'm afraid if you can help me solve one outstanding debt. Little fuckwad that's been owing me some serious cash for way too long now. You up for doing a little collections as a show of good faith, yeah, Monsieur Tony? Monsieur Tony? Bah vas-y, de toute façon j'ai que ça à foutre. Trouver le joueur dans son hôtel. Il a acheté une voiture de sport avec l'argent volé au responsable. Récupérer la voiture, mais ne l'endommagez pas trop. Oh, c'est dur de parler un peu des fois. J'étais sûr qu'il allait avoir une course poursuite et je me suis dit, ouais, vaut mieux changer de voiture. Eh, par contre, la queue de scène, c'est bon là? Histoire qu'il se barre bien, tu vois, qu'on puisse pas le rattraper. Du coup, faut qu'on fasse attention à la voiture. Ça, c'est rare, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on est là pour les défoncer, tu vois. On va prendre le silencieux parce que, rappel, on est en ville. Quand on tire en ville, il y a la police qui vient un peu faire chier.
assommer le conducteur en rentrant. Oh. Je peux le tuer aussi, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je suis sûr que je peux le tuer. Il me tire dessus au fusil à pompe ou c'est moi qui rêve? Ah, par contre, c'est horrible. Ok, je pense que je peux pas et je suis en train d'abîmer la voiture pour rien. Oh putain de merde. Arrête de me tirer dessus. On va perdre la voiture. On va perdre notre voiture. Il a un fusil à pompe, il nous tire dessus. Pardon. Je pense qu'on a perdu la mission. Je veux pas casser l'ambiance, hein, mais je pense que là on n'est pas bien. Il s'enfuit. Il est parti. Ah merde. En même temps, il y avait une voiture de sport à la sortie du truc, mais comment tu veux savoir ça, quoi? Enfin, une voiture de sport, la Puma que j'avais là, quoi, mais... Merde, vous ne pouvez... Merde, j'ai pas... C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ah, attention. Petite animation qu'on a pas eu tout à l'heure. Whip it. Gambling. Whip it. J'ai des oreilles, j'entends des choses. Ah oui, non mais c'est vrai. J'avais oublié déjà. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Trouver le joueur dans son hôtel. Du coup, cette fois, on n'est pas con et on prend cette voiture. Le mec a déjà endommagé la voiture, mais quel con. En rentrant à vive allure dans sa voiture, sur le flanc je crois. Plus le choc est violent, plus il reste assommé longtemps. D'accord. Oh putain, il a pas pris la même route. Oh merde. Moi je suivais le circuit de tout à l'heure. Le con, le con, le con, le con, le con, le con. Oh putain. Mais elle était bien la route de tout à l'heure, pourquoi t'as changé? Viens ici! Oh. Le mec c'est un Transformers quoi, il a une putain de puissance, il a assommé, prenez la voiture. Il m'a tiré dessus pendant qu'il était assommé le monsieur. Allez à la casse de South Beach en un seul morceau. Salut! Oh, le mec, en tout cas, il a un fusil à pompe et il utilise un max. Hein. Putain. Attention, il se lance à votre poursuite. C'est censé me faire peur, ça, ou comment ça se passe? Il a récupéré ma voiture ou je rêve? Vas-y, hein, poursuis-moi. On va voir qui conduit le mieux. Ah bah je laisse moi. Comme ça c'est réglé. Ok, super le dérapage. Oh oh, il est là. Parle au responsable. C'était génial en tout cas. Ah, on peut pas prendre la limousine, merde, attends. Au revoir, monsieur l'agent. Au revoir, monsieur l'agent. Oh, c'est le moment un peu awkward où il va rien se passer sur la route. En tout cas, enfin, ce genre de mission, pour moi, ce genre de truc où il faut prendre, enfin, où il faut acheter chaque société, tout ça, c'est une bonne idée, mais le fait d'avoir des missions à chaque société, je trouve que ça ralentit un peu le jeu, en fait. Genre, on sort vite de l'histoire, et c'est...
Pour moi, c'est dommage en fait. On devrait pas avoir ça. Mais c'est pas l'émission les plus passionnantes du monde en fait. Et du coup, ça ralentit le truc. Là, on perd du temps là. Là, on fait rien. Je trouve qu'on fait rien. Et je trouve que c'est pas non plus le. Putain, faut qu'on arrête de sauter de la voiture n'importe comment. Je trouve que c'est pas non plus le point hyper positif du jeu. Ce genre de mission avec des avec les façades et tout ça. You ready to do some business now? Oh, merci, Monsieur Tony. You are a solid stand-up kind of guy. Nothing like that fat fuck Gaspar. I'll sell my operation to you. Then you can tell me how I fit into your big plans. Okay? Okay. Okay. Okay, man. Et puis même cet écran, il est horrible, quoi. Putain. Ah bah là, par exemple, on a gagné de l'argent. On a gagné presque 200 000. Et c'est bien. C'est très bien. Aouh. Oh, la musique. Vous l'entendez? C'est de musique. Mais c'est de musique de fou. Oh, faut qu'on arrête de sauter. Coucou. Ah, oh, on n'a pas acheté la société. Le con. Bon, bah, on ira après, mais c'est pas grave. Mais on est con, quoi. Bonsoir. Alors là, on est dans un truc beaucoup plus... Là, ça va être chiant. Là, acheter ça, ça va être un peu cher, je pense. C'est ta voix, ça, ou comment... C'est... J'ai rien contre, hein, mais c'est quand même une... C'est une voix de monsieur, un peu. Non, mais j'ai rien contre. I like this place. You got style, man. Maybe you want to attract a richer clientele here, though, huh? I think I can help you with that. How about you let me buy this place? You can run it, and I get a cut of the profits off the top. Okay, okay. Tremendo. Oh, l'enjoli voix. But I got problems. This dirty cop has been pushing me around for protection money. The fucker was just here. Take him out, and maybe we can do some business aquí. Okay. Et elle est plutôt réussie. Elle est plutôt jolie. Alors que les autres sont plutôt moches. Quoi, c'est eux là? Non, parce que moi, tu me donnes une mission, c'est ma fille. Ah oui, je me disais aussi, c'est un peu trop simple. Ok, comme d'hab, je me fais tirer dessus dans la cutscene. Et calmez-vous, Starkey Gush, là. Si, si. Il va partir en voiture. Oh putain, on a eu le choix. Oh non, c'est un gang de tronçonneuses. Comment on est mort? Enfin, il y avait la cinématique. Et il nous a tués pendant la cinématique. Bah, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir acheté le jeu. Putain. Ça, c'est ouf que... Il y a plein de jeux comme ça, comme Scarface, où... Il se passe un truc dans le jeu, il y a une cinématique, tu peux rien faire, tu peux pas jouer, tu peux pas bouger. Mais lui, le jeu continue à jouer, en fait. Et du coup, bah, tu te fais niquer pendant la cinématique. C'est affreux. Du coup, on va attendre un peu avant d'y aller. Et histoire de les niquer un peu avant, parce que là, on va pas être bien. Puis le mec se barre en bateau, quoi. Le relou de base. Là, par exemple, il me tire dessus, là. Et je prends des dégâts. Ah, putain, on a plus de balles, d'accord. Wow, on est chaud. Merde. On a du temps et tout. Oh, sa mère. Putain.
Allez. Je vais mourir parce que j'ai plus de vie en fait. Je pense que c'est... Putain oui. Tire. Mais c'est hyper chiant. Putain. Elle est pas dure la mission. On va reprendre la cage, je pense que ça va être bien. Parce que on a plus de munitions. Ou alors je suis fou et on avait pas plus de munitions avec la cage. Genre on ramassait pas les munitions par terre, mais ça m'étonnerait. On peut prendre n'importe quelle bagnole, hein. Franchement on s'en bat les couilles. Putain. Ok. Ah, on a plus de munitions en fait tout court en fait. Mais si on est censé en avoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah attendez, on a débloqué peut-être une amélioration pour... Ah merci. Je prends. Lance-missile. On prend. On prend de ouf. Alors on a acheté les améliorations, par contre on n'a pas acheté du tout les munitions. Bravo. Voilà, là on est bien munitionné. Allez, on y va. Et cette fois, tranquille. En deux secondes, on le finit très rapidement. Coucou, c'est moi. Jesus. Why did you run out on me, Elvi? I like this place. You got Ascension. Ah, la musique. Ah là là. Get out now. J'ai plus le temps. J'aurais dû tirer une roquette, hein. Il serait mort le flic. Il serait déjà mort. Ah, le bruit de tronçonner dans mes oreilles, horrible. Alors, on rigole moins là. Ah là ça fait moins les malins là. Ah bah tout de suite c'est autre chose. Ah, là-dessus on est d'accord, c'est autre chose. Je ne suis plus le même homme. Faites gaffe. Ah la musique est bonne, le beat est bon. Attention par contre, on rigole, mais c'est dangereux. Il reste tout de moins dangereux. Alors du coup l'amélioration de la M4 que j'ai acheté, c'est qu'on a un... La K47, l'amélioration, c'était qu'on avait un fusil à pompe sur la K. Alors que là, on a un lance-grenade en fait sur la M4. Et du coup, ça fait que bah, c'est hyper cool quoi. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Ah, mais on peut pas dans les bateaux. Oh. Je me concentre, hein. Je suis désolé, mais j'aimerais ne pas recommencer cette mission 10 fois. Étrangement. Ah, reste là. Oui, tu es mort. Ciao. Par contre j'aimerais reprendre le même chemin, sauf que je ne sais plus par où on est arrivé, peut-être par là-bas. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est par là. Par contre on a plus de vie quoi. J'espère qu'il n'y a pas des gardes qui vont nous attendre
là-bas. Salut. Là, on se... là, quelqu'un nous jette une cacahuète dans la gueule et on est mort. Ah ouais, non mais je vous le dis, on va pas être bien. Salut, et bah écoute, je suis en morceaux, mais au moins il est mort. Ça, y a pas de soucis, tout va bien. T'inquiète, c'est réglé. That dirty prick won't be around to hassle you no more, sweetheart. I do you a favor, you do me one, okay? How about you let me buy out this little venue? Yes, I like your style, Tony. Un hombre que no le tiene miedo a la policía. Now you pay my debts, and the place is all yours. Ok. Ok. Y'a pas de soucis. Je fais ça. Mais... Oh, elle m'a donné 200 000, la meuf. La meuf est comme ça. La meuf, elle a la main sur le cœur, tu vois. Mais merci. Merci beaucoup. Combien tu vaux? Tony, I miss you, baby. Hey, you smell my face. Like it? Yeah. Je t'achète, mais putain de merde, t'es chiant. Il nous reste 8 millions. Faut qu'on aille acheter l'autre société qu'on n'a pas acheté tout à l'heure. Je sais pas combien elle va coûter. Après, l'autre, c'est un boui-boui. Hein, donc, j'imagine qu'elle va pas coûter très cher. Enfin, j'espère. Et l'autre qui nous reste à acheter, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un magasin de disques. Il nous reste bien un truc à acheter au moins. Oh, deux trucs. Oh putain. On n'aura pas assez, je pense. Hein. Je pense qu'on n'aura pas assez. Et je pense du coup qu'on va arrêter le stream ici. En fait, il est quelle heure? Ça fait 2 heures que je stream. C'est pas beaucoup, hein. On n'a pas fait grand chose. Ah non, il y a une bijouterie à acheter. Ouais, donc on n'aura carrément pas assez, je pense, pour la bijouterie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va acheter le truc. Moi, j'arrête le stream ici, donc vous, la VOD s'arrêtera ici, normal. Et il y a moyen peut-être que je stream demain soir. Enfin, pour vous, ça sera trop tard, hein. Ça sera déjà fait, mais enfin, je pense. Comme ça, on finit. Ou alors même... Je sais pas. Je ne sais pas trop. Combien tu coûtais? Ah, il coûtait 3 millions. Oh là là. Putain, le mec coûtait cher, quoi. Eh bien, écoutez, on va arrêter ici l'épisode, puisque vous, pour vous, c'est pas le stream, pour vous, c'est juste l'épisode. La prochaine fois que... Alors, je sais pas, je vous explique les bails. À l'heure où vous avez cet épisode, je sais pas où je serai, parce que j'aurai déménagé, en fait. Du coup, je sais pas si j'aurai fini le jeu avant de partir. Je pars mardi, on est samedi soir. Je sais pas si j'aurai fini le jeu ou pas. Si j'ai pas fini le jeu, ça veut dire qu'il y aura plus d'épisode, en fait. Mon objectif, ça serait de finir le jeu avant de partir, comme ça on a fini Prisoner of War, comme ça on a fini Scarface, et on commencera des nouveaux let's play quand les lives reprendront. Du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère. Je vous laisse, la prochaine fois qu'on jouera, on achètera tout ce qu'il faut à North Beach et on finira le jeu. A bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ceux d'avant, j'espère que le let's play en général vous plaît, parce que vraiment c'est cool, et Scarface... C'est un let's play que vous me demandiez depuis très longtemps, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse.